Tous les Maliens s'attendaient à une victoire aujourd'hui On du pouvait, Mali. Donc aujourd'hui, ça a été une performance décevante, tiens, là. Maintenant, on n'a qu'un seul pied en huitième de finale. C'est vrai. Maintenant, on va chercher notre qualification. Le troisième match, je pense, c'est jeudi à 19h face à la Mauritanie. Donc, il faut que et la Mauritanie, on a besoin de t'oublier ou quoi. So let's go. Bonjour à tous, ici Abdoulaye de AfriFoot. Ousmane de AfriFoot. Alain de AfriFoot. Donc les gars, maintenant, pour que vous les gens n'auraient mal les matchs de Tanabi. Bon les gars, match de Tanabi contre la Gambie. Malheureusement, rien de mais je pense qu'on a bien joué. Les gars ont montré de quoi ils sont capables, okay. Mais on n'a pas été efficace offensivement. Okay. Donc, de mon côté, Nebolo, moi je pense que c'est une performance de ce ventre. Nebolo, match nul, tous les Maliens s'attendaient à une victoire aujourd'hui du Mali. Donc aujourd'hui, ça a été une performance de ce ventre, tiens, là. Malgré tout ça, il n'y a pas que du négatif, il y a que des positifs aussi. Et comme on l'a remarqué tous, on a dominé presque tout le match. On a dominé presque, je dirais, tout le match est rare dominé. Donc ça aussi, il faut le souligner avec la performance de Yves Bissouma, encore de Amari Traoré, la charnière centrale qui Olufena a assuré trop, même s'ils n'ont pas eu beaucoup de tâches à faire. Donc DS8 hier, Fenedjadj a fait un bon temps. Voilà, Lukaku il a été moins en vue aujourd'hui. Voilà, ballon de la chambre. Notre performance a été un peu décevante, mais dans le match, c'est dire. Ambro Jura, quoi. Enfin, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a eu des bonnes choses aussi. Mais Am essaie de la qualifier, puis Am gagne la qualification. C'est vrai. Am s'est qualifié, puis comme ça, troisième match, on pouvait essayer de. Voilà. On essaie de voir où il y a le potentiel futur titulaire. Maintenant, on n'a qu'un seul pied en huitième de finale. C'est vrai. Maintenant, on va chercher notre qualification. Les top et les flops. Les gars, top et les flops. Bon, moi, je pense Bissouma. Moi je pense Bissouma René Gattopi. D'accord. Bon, flop, je dirais. Djenepo. Moi je pense qu'il peut mieux faire Tchengafo. Moi je pense qu'il peut mieux faire. D'accord. Oui, je pense que je suis du même avis. Hein, parce que Nyaya Fogo accorder plus de temps à Doumbia. Parce que Djenepo il peut mieux faire. Mais bon, comme Doumbia Begado, il montre ce qu'il est capable de faire. Donne-lui du temps de jeu à Doumbia. Parce que Djenepo c'est normal. Angami exige à Liga parce que il y a deux ans il était présenté comme le Darmenamsiana, le Cristiano, même si le mot est fort, le Cristiano malien, Ben Djigibaba, en boulot à l'Irenakere, il est voué. Bon, maintenant il faut agréer toi le filant, mais avec Nininga Kouye, parce que du standard de Liège à Southampton, avec Koba Rekin. Donc au début il était titulaire et tout, 600 noms, il a même pas. Les gens se plaignent même qu'il n'a pas de vie sportive. Bon, on a trouvé capitaine Kamari Traoré, Annie Bissouma. Bon, pour moi, les deux flops, c'est les gens du côté gauche, du flanc gauche. Massa Diouaré et Annie. Et on fait le match qui c'est qui ont été. Les moins performants par rapport aux autres. Annie, par rapport au dernier match que Massa Diouaré a fait, je pense que peut mieux faire. Bon, les gars, avec notre compétition, on a déjà un petit flatana. On a quand même 4 points. Nous sommes en boulotage favorable. Et troisième match, je pense, c'est jeudi à 19h face à la Mauritanie. Donc, il faut que la Mauritanie, on a besoin de t'oublier ou quoi. On a oublié aussi les conditions dans lesquelles on a joué sur les deux matchs. 13 heures à Manon. 32 degrés, c'est vrai que. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'abonner, de donner votre avis dans les commentaires. Merci et à la prochaine.